Temple du Savoir, Collège Amitié de Iré. Bonjour, bonjour à tous. Moi, c'est Konya Kafou Noé, le délégué du Collège Amitié de Iré. Temple du Savoir, Collège Amitié de Iré. Bon, d'abord, j'ai d'abord l'amour de la chose. Parce que d'abord, tout petit, j'ai été chef de classe, tout et tout. Donc bon, je me suis dit pourquoi ne pas être le chef des chefs. Parce que le délégué d'abord, c'est le chef des chefs. Voilà, donc j'ai un peu le sens au moins de, comment on appelle là, je ne peux pas dire de gouverner, mais j'ai l'envie d'être leader au fait. Voilà, donc depuis le bas âge, déjà, je me forme en devenant délégué au fur et à mesure. Bon, et c'est parti de tout ça. Temple du Savoir, Collège Amitié de Iré. Merci au fondateur du Collège Amitié. Bon, d'abord, j'ai fait le son pour mon école d'abord parce que un son d'abord, c'est d'abord un message qu'on véhicule. Voilà. D'abord, n'importe qui peut écouter la chanson. Elle peut aller en Europe, à Abidjan, tout et tout. Donc, c'est pour faire la promotion de l'établissement tout court. Voilà, la promotion de mon école, etc. Donc, c'est un peu ça. Temple du Savoir, Collège Amitié de Iré. Merci au fondateur du Collège Amitié. Ok, bon. D'abord, être délégué, d'abord, c'est pas facile. Je veux être véridique, c'est pas facile. Et ensuite, délégué en classe de terminale, c'est pas facile du tout. Mais je fais l'effort. Parce que c'est pas parce que tu es délégué, tu vas pas bosser. Tu peux venir à l'école, vaquer aux occupations de l'école. Mais arriver à la maison, on a tout le temps de réviser, de bosser. Donc, je peux pas dire être délégué pour un obstacle. Non, ça peut pas être un obstacle. Temple du Savoir, Collège Amitié de Iré. Merci au fondateur du Collège Amitié. Bon, dans la vie active d'abord, vous me voyez, je suis déjà en kaki. Voilà, d'abord je suis élève, mais après l'école, je suis aussi, comment on appelle, réalisateur, producteur de vidéos. Voilà, au quartier, on se débrouille en faisant des vidéos. Parce que quoi, on apprend. Voilà, dans le bazar, on apprend un peu. On ne sait pas où on peut s'orienter. Donc, au quartier, nous faisons des vidéos de sensibilisation, vidéos de films, comédies, etc. etc. Temple du Savoir, Collège Amitié de Iré. Merci au fondateur du Collège Amitié. Moi, bon, la musique religieuse. Temple du Savoir, Collège Amitié de Iré. Merci au fondateur du Collège Amitié. Bon. Les films qui donnent des conseils, en tout cas. Voilà. Tout film qui donne des conseils, bon, je préfère ça. Temple du Savoir, Collège Amitié de Iré. Merci au fondateur du Collège Amitié. D'abord, un bon élève, d'abord, c'est d'être assidu et ponctuel. Voilà, respecter ses professeurs, étudier, ne pas tout le temps se bagarrer à l'école, tout et tout. Temple du Savoir, Collège Amitié de Iré. Merci au fondateur du Collège Amitié. Bon, ma vision, ma vie plus tard, bon, je la vois mieux, voilà, parce que je me bats beaucoup, voilà, pour avancer. J'ai déjà mon objectif en tête, je sais ce que je veux devenir, donc et je crois que je pourrais atteindre mon objectif. Temple du Savoir, Collège Amitié de Iré. Merci au fondateur du Collège Amitié. Pour tous ceux qui me regardent, d'abord, j'aimerais encore vous dire de ne pas baisser les bras. Voilà, rien n'est facile dans ce monde-là. Voilà, c'est dans l'effort, tout et tout. Si tu entreprends quelque chose, c'est mieux de te concentrer là-dessus. Il ne faut pas envier tes camarades. Tu sais, beaucoup de personnes aujourd'hui sont envieux. Pourtant, quand tu es envieux, tu ne sais pas ce que ton ami a. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir. Toi aussi, tu veux avoir ça aussi. Bon, ça peut t'emmener à faire des choses qui ne sont pas normales. Donc, ce que je peux vous dire, contentez-vous de ce que vous avez.